Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, parlons de « J'en ai marre de self-development ». J'entends partout ce terme, j'ai l'impression que ça devient à la mode. Tout le monde parle de ça autour de moi et ça m'énerve encore plus. Voilà, il y a des gens qui ont ce point de vue. Ça m'intéressait beaucoup et j'aimerais bien comprendre pourquoi ils ont cette position. Et donc du coup, voilà deux hypothèses pour votre attention. La première, pourquoi on n'aime pas apprendre ? Peut-être parce qu'on le faisait pendant 10-15 ans, pendant l'étude, au lycée, à l'école, au collège, et suite à ça, on en avait marre, on attendait la fin pour se libérer. Soit parce que des fois c'était dur, douloureux, on avait du mal à comprendre, à se concentrer, à s'auto-organiser, à apprendre, et ça nous a stressé beaucoup. Soit parce qu'on recevait de temps en temps, soit souvent des mauvaises notes. Et suite à ça, on était engueulé. Et après, ça nous a cassé l'estime en soi. Ou bien parce qu'on était critiqué, tout simplement quand on ne savait pas quelque chose. Et comme le résultat, petit à petit, on perdait la confiance en soi. Et donc, au final, on attendait avec impatience la fin de tout ça pour oublier ce cauchemar, pour commencer à travailler tranquillement, pour ne plus revenir vers l'étude quoi que ce soit, parce qu'on pensait que le bagage de connaissances de 10-15 ans, c'est suffi pour nous, c'est bon, maintenant on est prêt. Et donc voilà, c'est pour ça. Le self-development, maintenant, crée cet effet. Et maintenant, la deuxième hypothèse pour votre attention. Imaginons un élève au lycée, au collège, qui devient après étudiant. Pendant ses études, tout se passe bien. Tout le monde le félicite pour les choses réussies. Il est encouragé partout. L'intention placée que sur les choses qu'il sait bien faire. Et même s'il rate quelque part, il entend partout les phrases. Ce n'est pas grave, ça arrive, ce n'est pas ta faute. Suite à ça, il est rassuré. Et donc, cette personne, elle n'est pas critiquée, juste félicitée tout le temps. Et comme ça, il a l'impression qu'il n'a pas de trou dans les connaissances, que le bagage de connaissances de 10-15 ans, c'est suffit pour lui pour réussir. Il en a assez pour réussir. Et donc maintenant, il peut commencer à travailler tranquillement. C'est bon. Mais il est impossible de tout savoir. Le temps passe, sauf que suite à cette conscience, maintenant notre adulte, sauf que cette conscience empêche notre adulte de commencer à apprendre. Il refuse même une simple idée que le self-development, c'est une bonne chose, parce que tout d'abord, il est obligé à s'avouer qu'il y a des choses qu'il ne connaît pas, qu'il y a des choses qu'il maîtrise mal. C'est comme il faut faire d'abord un pas en arrière pour prendre le recul et après pour partir en vitesse. Sauf que personne ne pense pas à ça, partir en vitesse. Tout le monde voit juste un pas en arrière qui est égal. Je suis bête, je ne connais pas quelque chose. Ce qui est complètement faux. Voilà, maintenant vous voyez toute la liste des contres, ce qui n'aide pas trop à s'intéresser au self-development. Et suite à ça, ce sera logique de voir la liste des pour le self-development, ce que je vous propose de regarder dans les vidéos suivantes. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt!